Ok, donc pour le passage du Gouas, marée haute à 16h45. Donc on peut traverser 1h30 avant et 1h30 après. Donc il faudrait que je sois là-bas vers 3h15. Ça va le faire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, génial, dans le camping-car, enfin. Donc on va passer 4-5 jours à Noirmoutier, vous faire visiter tout ça. Ouais, je vais vérifier que tout marche bien, parce que éventuellement réparer 2-3 trucs, parce que là je vois que bon, il y a pas mal d'humidité qui s'est installée là. Évidemment, il n'a pas tourné depuis le mois de juin le truc, donc c'est bien évident. Donc voilà, allez, bonne vidéo. Alors, on va faire un petit peu d'histoire en attendant la marée. Donc, la première traversée connue du passage du Gouas, c'était en 843 par des prisonniers. Oui, parce que l'île de Noirmoutier s'appelait l'île d'Her, H-E-R, et était tenue par les Normands, qui étaient en guerre avec la France. Et en fait, c'est des prisonniers qui ont trouvé ce passage à marée basse. Donc ça fait 4 km 125. Voilà, et puis bah là on attend, il est quelle heure? Allez, encore une heure, et puis ouais, 3/4 d'heure, et puis ça devrait le faire. Il y a l'alternative, hein, au passage du Gouas, maintenant il y a le pont de Noirmoutier. J'aurais pu le prendre, mais j'avais envie de prendre le Gouas avec le camping-car, donc voilà. On le rapproche de plus en plus. Posé à Noirmoutier en Lille, c'est un air qui est immense. Bon, c'est pas vraiment, c'est pas du tout même pleine nature là. On est un peu à touche-touche, comme sur beaucoup d'aires de camping-car. Hein, on est à touche-touche. J'ai été voir l'aire de l'Herbaudière qui est au bout de l'île là-bas, et c'est pareil. C'est à touche-touche. Il n'y a pas d'élec. Donc il n'y a que 8 prises d'électricité pour tout l'air de camping-car. Je ne sais pas combien il y a d'emplacements, mais il y en a beaucoup. Je n'ai pas regardé sur Park4Night. Et voilà, donc ce soir, ça va être paisible. Hein. Là, c'est bientôt l'heure du couvre-feu. Il va être 18h, donc ça va être apéro. Hein. Un petit apéro, et puis je vais commencer ce petit montage que vous êtes en train de voir. Et puis demain, je vous fais visiter... Enfin, on va aller visiter Noirmoutier. J'espère qu'il va faire beau. Comme ça, je prends le vélo et on va faire un petit tour un peu partout. Ça va être cool! C'est sympa là, mais en fait je me dis que j'aurais mieux fait de prendre mon vélo. Je
crois que je vais retourner au camping-car chercher le vélo. Regardez ça. Ça mérite. Hein. Non, en fait, je vais marcher. Dégourdir le squelette, c'est tout aussi bien. Sympa cette balade là. Et puis après ça continue par là. On va aller dans le bois de la chaise. Revenir par l'Herbaudière. Par contre c'est une balade qui fait 3 heures. Et ouais. Et le bourg est là-bas. Alors qu'est-ce que je fais? Je reviens par le même chemin ou je vais dans la forêt? Je vais aller dans la forêt, allez, faut marcher. Comme je disais tout à l'heure, faut dégourdir le squelette. Qu'est-ce donc ce truc là? Un camp scout, un camping, un truc militaire. Je sais pas, on va peut-être le savoir juste après. Ça serait pour un champ de patates, ça. Deux choses à Noirmoutier, le sel et les patates. Et la mer, enfin trois choses. Il y a le sel, les patates et la mer. C'était ça, c'était un camping. Tiens, je vais voir s'il y a du monde. Déposer les petites plaquettes de pub, un disque. Je leur ai écrit tous les ans, Utopia, mais ils me répondent jamais. Bon, enfin, on verra bien. Alors, parlons un peu de cette aire de camping-car de Noirmoutier. Bon, bah, c'est immense, hein. Je vais vous montrer quelques images là, tout à l'heure. C'est immense, j'ai payé 8 euros les 24 heures. Par contre, il y a zéro service. Les LEC, il y a 8 bornes électriques. Et il faut absolument prévoir des pièces de 2 euros si vous voulez remplir de flotte. Donc il faut des pièces de 2 euros, c'est 2 euros les 100 litres. Et puis, par contre, les vidanges, ça c'est gratos. On peut rentrer dedans, vider les cuves et tout, vider les toilettes, la totale, ça c'est gratuit. Par contre, les LEC, c'est un peu cher. Donc je me demande si je vais pas essayer de trouver un spot quelque part d'autre, en sauvage. En plus de ça, on est à touche-touche. C'est pas vraiment ce que je voulais. Mais enfin bon, ça va quand même, hein, je suis quand même content. Je suis quand même content, là, c'est magnifique. Les petits quartiers à la cool. Là. Donc on est pas mal à Noirmoutier. Voilà. Et pensez à prendre vos vélos. Très important. Là, mardi il fait beau, donc mardi j'irai faire du vélo, peut-être même mercredi aussi, aller voir le port de l'Herbaudière, voilà, les coins sympathiques. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Petite bête. Vieux pépère. Bon, finalement, sur un coup de tête, j'ai changé de spot. Je me retrouve à l'aire de la Guérinière, toujours sur Noirmoutier. Pourquoi? Parce que la nuit dernière, j'ai eu un peu froid, à vrai dire. Et puis là, pour 1 euro de plus, il y a l'électricité. Donc, faut en profiter. Il restait des places en plus. Donc ça, c'est cool. Et puis, demain, je sais pas trop quel temps il va faire. Ils annoncent de la pluie. Donc, je sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, je vais continuer de vous faire visiter l'île dans une prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas ça si vous avez aimé. Et puis, abonne-toi. Allez, clac, pour cliquer sur le truc rouge, là, s'abonner. Voilà. Et se connecter hein, à son compte YouTube. Et s'abonner. Allez, bye bye, ciao. Alors qu'est-ce que je dis? Quand...
pareil que ici, mais tu aussi dis aussi je suis devant l'appart. Dans, devant la porte. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et bien les voyages de Guste, on est toujours présent. Là aujourd'hui c'est Clémence qui est derrière la caméra et je suis devant la porte. Et là tu coupes. Pas devant le feu. Non, ça non. Va se réchauffer. Oh bah non, j'ai pas. Allez. Non. Allez, on coupe. Non. Ça utilise de la batterie, hein. Attends. Juste une dernière. Voilà, ici. Alors, en fait, il faut faire comme ça.